This is a testimony of your marriage. On this blessed day in this small village, you have brought a new meaning to your life and to the life of this country. So, for all this, I say thanks. Hey, okay. Mr. Irving, for the camera, French camera. Say goodbye, hello. Hello. Bonjour, bonjour, hello. Hello, goodbye. Well, right, merci. Français, tout le monde ne se comprend pas, et donc il faut nous regarder dans les yeux et au sourire des uns ou à la moue des autres, on peut mieux comprendre ensemble. Many of us have crossed over the big pond, come to a special country, citizens who came from a different place and wanted to show that they're welcome. And we welcome you to Shalom. Will you enter into this covenant of marriage with Jennifer, and will you love her faithfully as long as you both shall live? And to all of you, do you as people of faith pledge your support and encouragement to the covenant of commitment and marriage that Jennifer and Vincent are making together? I will go and Jennifer, really? Happy day, happy day, yes, good journey. Merci beaucoup. C'était très émouvant, et pour vous aussi, très sûrement. Oh, oui, bien sûr. Nous sommes très, très heureux. Oui. Merci, merci. Hello, bonjour.
you speak a little French? Un petit peu. Un petit peu. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ah, Jennifer Gumbings, je t'aime tous les temps, pour toujours. Bonsoir. Ah, voilà, avec Vince, le jeune marié, n'est-ce pas? Vous avez pu voir tout à l'heure dans une magnifique chapelle du 14e, 15e siècle, peu importe les siècles, en tout cas, ce fut une soirée, une journée magnifique. Et le spectacle va continuer après le repas, puisque nous allons avoir un show musical. Show, music show, ok? Oui, oui, oui. With you. All the, in the end, I make the jam at the very end. Yes. That's why I'm drinking. Okay. Thank you, my boy. Ah, yes. Yes. Don't you worry no more, no, be happy, oh, be happy. Be happy. My great old friend from Paris, Freddy C, to help you translate. Nous allons traduire. Philippe Serenade. La première sérénade de village. We hope in the future to continue the tradition. Nous espérons continuer la tradition dans le futur. Of chansons d'amour. Bésame mucho.
Diane, bonsoir. Bonsoir. From Québec, c'est cela? Non, c'est Calgary. Calgary, c'est le Canada? Oui. C'est loin de Chalabre, très très loin. C'est 12 heures par avion. Voilà. Vous êtes venu ici pour un événement assez exceptionnel. Mais c'est vraiment la nuit de sérénade, c'est super quoi. Quel est votre répertoire? Vous chantez tout le temps bien sûr en anglais, mais... Oui. Mais j'ai pas beaucoup de chansons en français, mais je chante Le Vie en Rose. Ça, c'est la chanson que je chante en français. Et puis, je chante beaucoup de swing, de blues, de pop, de populaire. Et voilà. Alors, j'ai plein de chansons. Et voilà, je fais ça pour mon boulot chez moi. Vous êtes donc professionnelle de la chanson? Oui, voilà. Oui. Uniquement au Canada ou aux États-Unis? Maintenant au Canada et international. Vous avez assisté au mariage de Vince et Jennifer? Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'était magnifique. C'était super joli, le chapelle en haut là, avec de super belles vues. Et puis c'était romantique. Et voilà, alors c'était super, super spécial. Et je suis très contente que je sois là. Mais en fait, Vince, il était un prof, moi, à Berkeley. Et puis voilà, comme ça. Et je suis partie chez moi le 17 juillet et puis j'ai pris un petit voyage. J'étais à Montréal, j'ai enregistré mon 5e album. Puis j'étais à Toronto et puis Angleterre et puis maintenant. Et j'ai resté 3 semaines avant avec ma famille française et puis je suis là à Chalabre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et puis see you later. Voilà, merci. Thank you. Merci. Mia Vita, ou autrement dit Michel et Myriam, bonsoir. Vous êtes donc dans le show business, on peut dire, bien sûr. C'est-à-dire qu'on chante des chansons d'amour chic. Et on est plutôt chanson française à texte. Et on se définit, comment on pourrait se définir, plutôt romantique. Vous vous produisez à Midi-Pyrénées ou bien encore plus loin que cela? On se produit aujourd'hui à Chalabre et plus tard certainement au niveau national, voire international. Il me semble qu'on vous a vu sur les scènes à Carcassonne, c'est bien ça? Voilà, pour le moment on a démarré notre activité à Carcassonne. Comment vous avez connu Vinx? Par l'intermédiaire de Bernard Margari, le fameux guitariste à Johnny, qui nous a recommandé et invité à son anniversaire. Certains le connaissent, mais d'autres le connaissent moins. Il faut dire que Bernard a été dans le grand show business aux côtés de Johnny, on peut le dire. Ça remonte à quand, ça, à peu près? Ça remonte à 1982, après Jésus-Christ. Hein. 1982, voilà. Alors Bernard, vous continuez une carrière un petit peu en solo? Oui, en solo. J'accompagne pas mal de gens, enfin, si on peut dire en solo. Je travaille avec Vinx, avec ma fille, avec des musiciens indiens. Voilà, je fais pas mal de choses différentes. Hein. Complètement différente, parce que je crois que vous parlez aussi l'occitan, c'est une culture, ou bien d'autres cultures du monde. Oui, voilà, ouais, je travaille avec des Africains, des Indiens, des Américains, des Anglais, international, my friend. Et toujours bien sûr à la guitare, c'est un instrument que vous dormez avec peut-être, non? Plus maintenant, parce que bon, j'ai fait quelques infidélités, mais bon, voilà, mais ça m'arrive, ouais, pas loin en tout cas. J'ai commencé la scène en 1971, après Jésus-Christ bien sûr.
J'ai commencé avec un orchestre de Chalabre en 1971, qui ne doit plus exister maintenant, mais un petit orchestre de bal, voilà, j'avais 14 ou 15 ans. Voilà. En fait, c'est un petit peu un retour aux sources. Un peu un retour aux sources grâce à Vince qui vit à Chalabre maintenant. Tragédienne, shakespearienne, sans voix ni parole, comédienne en peine,